ngiye waziete muntisiza vala kanti ndio na wazola diovo bisintisizi bakala kunzenda ngu tubokela ngo tata ki solo kele lukelo Dieu le Père. C'est lui sous son ordre que tu arrives ici sur terre européenne. Et c'était en 1966. Maman, nous avons des enfants. Ce groupe, appelé groupe de guitaristes kimbonguistes, nous avons un doyen parmi nous ici, qui a été parmi les premiers à l'époque de ton père, qui est ton fils, en même temps, spirituellement parlant, Tata Bérison. Aujourd'hui, tu as vu naître ce groupe ici en France. Je me souviens, c'est en 2005, nous sommes venus te rendre compte de la situation paroissiale et dans ta maison, à l'époque que vous étiez avec son excellence à Évry, nous avons donné la volonté de mettre en place ce groupe de guitaristes kimbonguistes parce que ça manquait au sein de tous les mouvements à la paroisse où nous étions à l'époque. Maman, toi tu nous connais profondément, je dis bien profondément parce que tu nous as vu venir tous, tu nous as vu venir tous ici en Europe. Et ce groupe, comme le qualifions souvent, c'est comme le Mwananzuka. On est sorti officiellement en 2008. Si nous comptons les années, c'est exactement 8 ans. Mais dans notre temps, ce groupe a failli connaître des difficultés. On a connu des difficultés parce que durant les 3 centenaires, les 3 glorieux, ici en Europe, on n'a pas presté. Quand mon doyen, mon grand frère, celui-là même que Papa Diengenda, c'est un témoignage que je porte maman ici. Papa Mfumwa Longo Diengenda Kuntima, ton père de fils, lui avait confié une mission. C'est cette mission-là, ayant vécu en Grande-Bretagne, et après avoir nous au sortir du centenaire de Tata Mfumwa Longo, Tata Diengenda Kuntima, ce missionnaire de Tata Diengenda Kuntima a franchi la Manche et est venu en France dans l'Hexagone. Le 8 juillet, le groupe a refait surface. Mais dans l'entretemps, maman, nous connaissons beaucoup de péripéties, des difficultés des instrumentalistes, surtout ceux qui jouent à la guitare, ou les différents éléments qui nous accompagnent dans notre fonction, de notre groupe. Toi, tu es vraiment témoin, parce que je ne vais pas te me répéter, mais tu nous connais profondément. Alors, en venant ici ce jour, maman, nous tes enfants, toi qui es notre intercesseuse, parce que tu as un Congo qui me pouvait là, auprès de sa divinité, Tata Simon Kimba. Notre souci, c'est que ce groupe qui a failli être un mort-né puisse vraiment reprendre sa place. Mais on a une situation assez spéciale, le groupe de guitaristes kimbonguistes. Selon la volonté de sa divinité, quand tu nous vois ici, maman, on est certains d'autres paroisses. Papa Armand fait partie de la paroisse de Montreuil. Il y a d'autres qui sont pas venus avec nous qui sont aussi de l'autre paroisse. Mais comment rester? Toi-même, tu connais la situation des paroisses ici, plus particulièrement en région parisienne. Notre souci est que nous jouons tous les jours, tous les dimanches. Alors, cette préoccupation-là nous perturbe beaucoup dans notre exercice. C'est vrai, à Kinshasa, nous voyons tous nos papas et nos papas de guitaristes. Ils sont issus de différentes paroisses, mais chaque dimanche, d'une manière consensuelle, ils décident d'aller prester dans une paroisse donnée. Alors, je me souviens, maman, en 2000, je crois que c'est en 2009, 2010, je crois, nous t'avions fait venir au sein du groupe des guitaristes kimbonguistes à l'époque, au Saint-Ouen là-bas, au cours d'eau, le Saint-Ouen initial. Mais à l'époque, notre conduite, en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti, la réponse
que nous t'avons donné était pour moi personnellement, j'avais pensé que ça n'a pas plu. C'est ainsi, maman. Nous voulons vraiment que votre volonté à vous, parce que vous êtes la représentante de sa divinité ici en Europe, vous êtes sa conseillère directe. Mais nous t'avons comme vous. Nous sommes ici, Maman, je disais tantôt que notre souci, que nous prestions tous les dimanches, parce qu'on est bassé pénis et transambi, c'est rendre joyeux Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça notre mission. Mais nous balbutions. C'est ainsi. Vraiment, pour ne pas tirer en longueur. Un, certains ne sont pas venus avec nous parce qu'ils sont des contretemps. D'autres, ils ont quelques difficultés pécuniaires. Comme vous voyez ici, maman, certains sont de nouveau arrivés en France. Ils n'ont pas de titres appropriés. Ce qu'on appelle, parce que vous nous recommandez de travailler. La mission divine, que, comme on a dit dans le chantier, qu'on a connu tout à l'heure, que c'est un karma. Et le chef spirituel, le patron de la quatrième génération, notre Dieu, on l'avait laissé pour charge de rassembler tout le peuple africain, tout le peuple du monde entier en karma. Donc, notre souci, que nous puissions contribuer. Donc, les cartes de séjour, les séjours appropriés, convenables, sécurisés, telle est notre demande. Certains d'entre nous sont célibataires. Ils n'ont pas encore trouvé leur semblable. Parce que ça Comment tu es pèse. célibataire? Là, je m'excuse, ça faut couper la Alors, parole. nous avons Ah, mon... célibataire? Oui. Tu es encore profond d'ailleurs. Donc, maman, vraiment, sans Écoutez ma maman pour la vie, non? C'est pas célibataire. Écoutez ma maman pour la vie, non? Alors, moi, tu sais. Attends, maman, il dit maman pour la vie, non? Alors, tu ferais bien. Alors, tu ferais bien. Il est maman. Voilà. Maman, voilà. Donc, la balle est dans ton camp. Ouais. Merci vraiment pour ce qui est du reste. Une fois de plus, nous voulons prester tous les dimanches pour rendre gloire. Dieu le Père, Papa Kessoulokine, Dieu le Fils, Papa Dialonga, Dieu le Saint-Esprit, Papa Dialonga, Kuntima. Aujourd'hui, Papa Simon Gimankian. Mais comment faire? Parce que les responsables paroissiaux nous regardent aussi. Le comportement qu'on a eu par le passé, qui nous a égaré un petit peu, c'était par rapport à cette situation, comme qu'il dirait, géo-paroissiale. Donc, maman, quand on va t'envoyer une cour, ou tu vas à Angolo, ben, musicien. Nous avons quelques musiciens qui sont égarés en Turquie, enfin qui sont en route pour venir ici en France. D'autres sont dans les pays encore, ils se cherchent pour venir nous donner un coup de main. Donc ici, notre demande, c'est que vraiment, que le groupe puisse cette fois-ci partir du bon pied, qu'on n'ait plus de temps mort, comme qui dirait. Je vais ainsi terminer au nom de Papa Kisolokele, Papa Dialongana et Papa Simon Kimango Kiangani, à qui nous toutes choses. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous asseoir. Merci. Parce que ma première soin. Merci. Je sais ce que c'est. Je suis ce grand maman, donc. Là, nous sommes tous les grands. Oh, grand. Hey, Marie, s'il te plaît. D'accord, non, comme maman. Je crois qu'il est fatigué. Le bosso n'a pas si merci. Là, c'est bien ici à Tatan Zambé. Slogan vous assomme, moi. Même la Kinshasa, c'est bien ici à Tatan Zambé. Tous les mercredis, les guitaristes sont là au centre d'accueil. Bakoyemba et ça a toujours été comme ça depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies. Nkofo, c'est une chanson très significative et qui dit beaucoup. Toyebi Nzemboana, Malobezana Kati, Toyebi Yango. C'est vrai que c'est difficile. Le groupe est Koufaki Moukie. Mais heureusement, Botelemi, vraiment je vous félicite parce que
il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une seule église. Ma groupe Nyon surtout, Ndenge Tozali na yango. Et surtout, ma CPC, Tata Nzambe. Moi, je me rappelle, ce qui est au côté de Nzambe, il n'y a pas parfois tant la guitariste ce qui est basali. Parce que le message n'est mingi pour ça, mingi mingi pour ce guitariste. Pambate, Bozan Banze, Bomoko, les amis que. Tout le monde est en bas. Donc, naïve que les amis passent, Kozan a moussé pénitentiaire Tatanzabe. Les amis passent, mais Moussa la monion sur un Zambé, ça va nous passer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bambans à l'obati? Ce qu'on a téléma. Kotika la rola la te téléma. Donc, il y a un téléma qui groupe Yamouyo. C'est le parti. Nazan et Sengoumi. Vous continuez Moussa. Vous continuez pour ce pays. Tata Nzambé. Pambate. Nous avons battu la rané les bandelités. Ata la rana souka. Donc, la toyebi biba et tout. Si vous n'avez pas de toyebité. Ma kamouni ne sa voyait la vision. Manzé pour tout ça pour yemba. C'est-à-dire, tant que nous kakame. Ma kamouni ne koya. Mais nous, c'est le bon makana banzé, mais on ne fait pas attention. Na boye koya lobi, na lobi kona. Tout est dit dans nos chansons, mais malheureusement, des photos yemba. Qu'on dit que c'est le rythme, mais tout ça pour analyser ma loba où ils ont un côté et c'est quand elle a passé la mission. Sinon, on a ça la militaire pour loba la yoki de Léon Seigneur se fait sa mitawa tout à l'année liquide groupe pour comme un c'est vrai d'engue papa Godio lobby. C'est la même chose. Ils ne sont pas tous de la même paroisse. Mais c'est le programme. Parce que, je ne sais pas. En Europe, il y a une mentalité qui est en train de se faire. Mais sinon, tu es à Kinshasa, c'est le programme. Quand on est à Kinshasa, c'est qu'on est en train de se faire. Et ainsi de suite, les paroisses, l'obi bokei kuna, c'est comme ça. Mais awa, il y a des paroisses, c'est ça, la makambuna yango. Moi, il y a aucune désalité. Mais avec le temps, le point de Zambako, l'on a gagné kaka, eh bien, le moment venu, le moment de Zambako, bon message. Beaucoup de bandes, beaucoup de tambola, l'engue et les kaka na moka. Parce qu'il y a la raté que paroisses, c'est ça, la guitariste. Paroisses, kuna, non. Ils ont un groupe moko, mais ils ont un tambola dans ma paroisse. Vous allez la tente, et vous allez la paix dans ma bonne vie. Vous allez la bonne vie, ça c'est très important. Pour le groupe à moi, il y a les sous-soutés. Donc on laisse tellement qui boye, allez de l'avant. Pour tous ces pays sans jamais. Sinon, encore une fois, je vous remercie, c'était vraiment une joie pour moi de vous entendre chanter parce qu'à Kinshasa, c'était tous les mercredis, comme ça l'a toujours été. Malheureusement, avec les circonstances de ce pays que nous connaissons tous, mais depuis mercredi, nous sommes tous les mercredis. Mais parce que, bon, voilà. Ce n'est pas les mêmes réalités. Namboka, Yamwana. Sinon, tu es le mercredi, nous sommes à Royemba. Mais, tout à l'heure, on a toujours qu'il y a un peu de temps. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Amen. 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 Toko Yamba, Maloba, Yamama, concert direct. Tata Moula, le Sikoudousou, la Maman Nguengi, si le Koufi, le Koufi, et Tata Moula, la là. Mon encombre était déjà venu là, c'est et moi, ni moi, ni moi. Comment pas qu'il se loquait? Moi, j'ai l'oumana. Moi, j'ai l'oumana. Merci. Mon dieta, c'est un sambi là. Passez un peu. C'est tout là, il y a l'ibé, il m'a mal à moussi.
on a le diable, il est communé dans nos coins. Merci. Je suis là pour vous dire. Quand ma pasteur m'a campé, ma kalaya ou ma mbi. Alors, c'est à vous de voir. Tu te l'as mandé là. Voilà. Pour vous venez. Vous venez. Merci.